Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Bon, à part ma gorge va pas très bien, mais à part ça, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations. Et comme d'habitude, on commence par les petits screens que vous m'avez envoyés. Et bah écoutez, c'est parti. Donc pour le premier screen, donc on avait déjà eu pas mal de bugs concernant les choses qui ne sont pas à leur place, hein, comme par exemple une main qui se balade sur la tête ou une bouche qui a disparu, etc. Et cette fois-ci, un nouveau bug que je reçois régulièrement en ce moment, c'est le bug où les vêtements s'affichent derrière la movie star et pas au-dessus. Donc c'est très bizarre, on voit qu'elle porte un jeans ici et qu'en bas elle a des, normalement, hein, des bottes noires, mais non. Et bah non. Bon, moi, il y a une chose qui fonctionne, c'est les tatouages quand même et le collier. Mais les vêtements, non. Pour le deuxième screen, en fait, c'est tout simplement un bug. On a l'impression que le top s'affiche quand vous allez dans le meilleur score. Hein. Normalement, ça vous affiche une page. Et là, ça déconnouille un petit peu quand même. Hein. On dirait que c'est le jeu qui est en train de se faire hacker carrément. C'est... voilà. Pour le troisième screen, celui-ci m'a fait rigoler, hein. On a déjà eu des bugs Casper avec des gens qui ne s'affichent pas ou des choses qui ne s'affichent pas. Là, c'est assez rigolo parce que en plus de ne pas s'afficher, il y a une petite chose particulière. C'est qu'il y a plein de petits yeux et la personne qui m'avait envoyé le mail avec cette image, elle m'avait fait quand même rigoler parce qu'elle m'a dit « Oui, je me suis sentie observée ». Là, clairement, ouais, c'est flippant. Enfin, je sais pas si vous aussi vous auriez flippé en voyant ça. Mais moi, je trouve ça assez flippant quand même. Et pour le dernier screen, avant de passer au message, c'est celui-ci. Et la personne ne comprenait pas pourquoi, donc à cause d'une erreur, ce film ne peut pas être vu. Alors pour te répondre par rapport à cette image-là, et d'ailleurs si vous avez aussi également d'autres suppositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais en fait, des fois il arrive qu'un film soit jugé inapproprié au public, et que tout simplement le support de Movistar Planet retire ce film pour qu'il ne puisse plus être visionné. Également, c'est possible que tout simplement il a obtenu trop de signalements et automatiquement il est disparu, ou également peut-être que la personne l'a supprimé mais que t'as été trop rapide, t'as voulu le voir et entre temps il a été supprimé et du coup ça s'affiche cette erreur, même si je pense que c'est plus soit ma première ou ma deuxième supposition. D'ailleurs dites-moi, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle que c'est, ou peut-être que vous avez d'autres avis sur ce sujet là. Et ben écoutez, on va passer maintenant au message. Situation drôle chelou, j'étais tranquillou sur MSP et là ça me déco, je me demande d'abord ce qui se passe, mais là je me reco et je vois que je suis en double, voir photo sur et aussi mes bonnies, voir photo mais, ok, et je me déco reco et là j'ai pas eu le temps de screener, mais il y a eu l'ancien MSP qui s'est affiché. Mais je me suis demandé ce qui se passe et je me reco, je vois une fille qui n'a jamais été VIP, qui vient de créer son compte avec la peau noire, mais pas celle du shop. Donc j'ai trouvé ça chelou. Bah écoute, je sais pas quoi te répondre, peut-être que le jeu a mal chargé ou il y a eu un souci. Mais je pourrais pas te dire qu'est-ce qui se passe moi-même. Si pour la personne qui a eu la peau noire, si c'était genre un noir comme un écran noir, bah peut-être aussi c'est que la texture n'a pas fini de charger. Comme je disais tout à l'heure, peut-être un bug de chargement. Une situation de Rouge Ruby. Alors, hier, il y a une vraie modératrice, elle travaille sur MSP, bref, elle me dit qu'elle me fait VIP car j'ai été très gentille. Elle me dit aussi que comme j'ai signalé une fille, elle me dit qu'elle a été bannie. Là, je suis étonnée, j'essaie de lui envoyer un message, mais il y a écrit que je n'ai pas le droit. Donc, je peux pas lui écrire. Et aussi, elle me dit dans 3 jours, je suis VIP. Après, je regarde son profil. Désolée, j'ai... Ok. Après, je regarde son profil et c'est une vraie. Je ne peux pas lui parler ni la bloquer. J'ai posté une photo au cas où tu ne me croirais pas. Donc, on va aller voir un petit peu. Si elle a posté une photo, je suppose qu'elle parle dans son profil. On va aller voir son profil dans les photos pour un petit peu vérifier cette histoire. Alors, dans les photos, c'est là-dedans, je crois. Voir les... Non, ça, c'est les looks. C'est voilà, c'est le petit appareil photo. Voir les photos. Parce que là, ça montre... Voilà. Alors, vu que ça date un petit peu cette histoire, il va falloir peut-être qu'on descende un petit peu en bas. Enfin, je l'ai. Alors. La tour Eiffel, non, c'est pas là-dedans.
Donc, j'espère que je me trompe pas et que je cherche bien. Ça se fait, elle parle qu'elle m'envoie une photo par mail, même si je pense qu'elle l'aurait précisé si c'était par mail. Mais en tout cas, je ne vois pas. Est-ce qu'on est tout en bas? Non, on est... Si on est... On est... Ah! Arrête de bugger! Bah, j'ai l'impression qu'on peut pas descendre plus bas. Ouais, bah je sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les photos, mais dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Et bah me revoilà! Oui, puisque hier, pendant que j'étais en train de filmer, oui, il y a une grosse coupure, puisque tout simplement, je n'ai pas calculé le couvre-feu, et puis il y a eu minuit, et puis merci beaucoup, Mr. Planet! Du coup, j'ai pas pu finir ma vidéo, merci beaucoup! Je vous adore, la bise, Kinzel. Bah écoutez, c'est parti, on continue. Donc, salut Kinzel, c'est une situation assez chelou, mais je sais que c'est un bug. En fait, pour m'amuser, j'ai créé un compte gars que je filmais pour YouTube. J'ai pas publié la vidéo, et comme à chaque fois qu'on crée un compte, on reçoit des cadeaux de début, dont je reçois 200 Starcoins. Sauf que dans la boîte des Starcoins, il y en avait 400, donc j'ai continué à avoir des cadeaux cachés un peu partout. Mais c'est retombé à 200, mais ça fait un peu la même chose avec ce compte, sauf qu'au lieu de 400, c'était 500. Ouais, bah, il y a énormément de gens qui me disent la même chose, qu'ils perdent, mais même moi, des fois, ça m'arrive. Hein. Ou pareil, pour les fame, on en reçoit plus, mais au final, on les perd quand même. Donc, voilà. Coucou Kinzel, un bug chelou, j'ai voulu te demander en ami, mais quand je l'ai fait, ça m'a déco, donc après je me reco, ils ont dit vous avez été banni de MSP, donc après j'ai attendu une heure et ça n'a pas marché, donc j'ai attendu deux jours, et puis ça a marché, mais j'étais vraiment fâchée, bref, je t'aime fort Kinzel, continue comme ça, bisous. Comme quoi, ne demandez pas Kinzel en ami, sinon vous allez vous faire bannir. Non mais je pense que c'est plus une coïncidence, enfin, je l'espère. Kinzel, je voulais aller dans ta chambre pour te rencontrer, d'accord? Et c'était plein, j'ai appuyé sur ton profil et réappuyé sur ta chambre et ça m'a déco. Sinon t'es trop belle, j'adore ton prénom, bah merci beaucoup. Et je pense peut-être que la chambre elle était pleine, c'est peut-être pour ça que t'as pas réussi. Et peut-être que t'as trop essayé d'entrer et puis qu'au bout d'un moment ça a commencé à bugger et ton MSP a crashé. Moi ça m'arrive très souvent que mon MSP crash, hein, vous le voyez très bien en live. Coucou, donc on a quelqu'un qui a un souci parce qu'il me dit aide-moi STP à la fin, on va voir sa situation. Une fois je voulais envoyer un cadeau à une de mes amies et avant que je l'envoie, ça me déconnecte, je sais pas pourquoi. Après du coup je me reconnecte, je vais pour envoyer le cadeau à mon amie mais ce que je voulais lui envoyer, bah ça avait disparu de mes vêtements. Du coup je vais dans mon profil en me disant que je l'avais déjà envoyé à quelqu'un et là je vais dans les cadeaux. J'avais déjà envoyé et je vois qu'en fait, eh ben, je l'avais déjà envoyé à quelqu'un. Du coup, je me fais pas de soucis, je me déconnecte et je retourne dans les cadeaux que j'avais déjà envoyés. Et je vois plus le vêtement. What? Après, du coup, je vais sur mon ami. Quand je veux lui envoyer le cadeau, eh ben, il y était. Du coup, je lui ai envoyé. Aide-moi, s'il te plaît. Bah, au final, t'as réussi quand même à l'envoyer, non? Tu veux que je t'aide? T'as déjà réussi à l'envoyer? Après, je sais pas, c'est peut-être des soucis de chargement ou quoi, ou peut-être quelqu'un s'amuse à se connecter sur ton compte. Je sais pas. J'ai pas de screen, alors j'étais VIP. Et je fais une activité, j'ai reçu que 100 Starcoin au lieu de 200. Et à un moment, je suis allée dans une salle de chat, et tu vois, il y avait des esprits morts. Et il m'a parlé, il m'a dit, tu peux m'aider parce que je suis dans ton grenier. Et je me suis dit, ça se peut pas. Et il me dit, je vais venir te hanter. Et j'ai flippé ma mère, et je te jure, et je continue à lui parler. Il m'a dit que sa famille est morte à cause de nous. Je lui ai dit, mais t'hallucines. Et j'ai entendu des bruits dans mon grenier. Mais finalement, est-ce que tu l'as aidé ou pas? On n'aura pas la suite de l'histoire. Alors, bah, en gros, j'étais niveau 4 et je suis passée directement niveau 6. Alors, faut savoir que quand on commence le jeu, il y a des quêtes qui font qu'on augmente très très vite de niveau. C'est limite, tu passes déjà du niveau 1 ou 0 au niveau 3 directement. Donc, niveau 4 au niveau 6, ça peut être très très rapide. Que ce soit une petite salutation, ça te fait monter déjà 2 niveaux et voire plus. Donc, voilà. Bah, et des fois, ça a du retard. Donc, au lieu de te passer niveau 5, ça met un petit peu de temps. Et vu que tu passes niveau 6 entre temps, bah, ça te monte les 2 niveaux d'un coup. Ça me choque pas. Coucou Kinzel, voici une de mes situations, c'est d'être tombée sur ta chaîne et de m'être abonnée, mais je regrette pas, t'es génial, continue tes vidéos, merci beaucoup et en plus, j'espère. Et on n'aura pas la suite, mais en tout cas, merci beaucoup à toi et faites comme. Chloé la pipette, Chloé, Chloé. Bref, vous m'avez compris, faites comme elle et abonnez-vous, merci beaucoup.
Donc là, c'est le bug par rapport à la date qui a marqué 2001. Donc ça, on l'a déjà passé, mais j'ai quand même décidé de montrer la situation parce que la personne m'a dit « Tu réponds toujours pas, vivement que tu fasses une vidéo avec la situation. » Et au passage, je t'adore, Quinzel, et merci beaucoup. Mais en fait, pour vous rappeler que je fais les situations dans l'ordre dans lesquelles je les ai reçues. Donc si vous renvoyez un message, ça remet votre message tout en haut de la liste et du coup, vous allez attendre plus longtemps. Donc si vous m'envoyez une situation et que vous espérez une réponse, ne remettez pas de message avant que je fasse passer votre situation. Et il faut savoir également qu'en temps normal, je n'aurais pas non plus fait passer cette situation puisque elle est déjà passée plusieurs fois dans mes anciennes vidéos des situations. Donc vraiment, regardez les vidéos situations, surtout qu'en plus, si vous en envoyez une, histoire que vous sachiez soit que vos situations elles passent en vidéo, soit que ça a déjà été fait peut-être, et que du coup, c'est peut-être pour ça que vous ne passez pas dans la vidéo. Voilà, voilà, gros bisous à vous. Situation énervante, j'étais tranquillement et là une quinzaine YouTube follow vient me trouver en me disant que c'est toi Quinzel, elle disait qu'elle voulait me faire VIP, elle disait qu'elle piratait pas, mais je lui ai dit mon œil, Quinzel ne vient pas te trouver pour te faire VIP, elle ferait des concours, je l'ai évoqué, signalé, voilà, situation finie, bisous, tu es la meilleure, je t'adore, bah merci beaucoup et tu as très très bien réagi, bravo à toi, malheureusement tout le monde ne réagit pas comme toi, et je vais finir cette vidéo encore une fois, donc quittez déjà la vidéo si vous avez marre de m'écouter, mais en gros, jamais je ne vous demanderai votre mot de passe, jamais je vous demanderai de me connecter sur votre compte pour vous faire VIP, les seules fois où je vous offre des VIP, c'est avec des cartes cadeaux ou avec des tickets VIP, et pour cela, je n'ai pas besoin de votre compte pour vous les envoyer, voilà, c'est vous-même qui vous mettez VIP avec le code de la carte cadeau dans les paramètres de votre compte, et ça, moi, je n'ai pas à y avoir accès, d'ailleurs, personne d'autre ne devrait y avoir accès que vous à votre compte, voilà, donc merci encore d'Edel et Bella d'avoir super bien réagi, n'hésitez pas à signaler toutes les personnes qui sont passées pour moi et qui essayent de vous pirater en mon nom, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous, ciao ciao.